Fucking Talk It To Me. En NCSA, je peux faire des plaquages au baby-foot. Laurent Travers en 2017. Ouais, ça allait chercher très très loin là. Non, pas tout. Chuck Norris. Lui par contre, oui, c'est possible, Chuck Norris. En 3ème, il peut faire tout ce qu'il adore faire, mais jamais toucher le ballon, claquer et mettre la tête dans les rucks. Boucherie au Valley 2016. Ouais, Talking To Me en 2016. Ouais, surtout avant, on va dire, j'étais catalogué. Surtout ben, pour faire le sale boulot, donc s'ils ont écrit ça, c'était vraiment parce qu'avant, ben, on va dire que je passais plus du temps dans les recs qu'à jouer le ballon. Chaque fois que je vais au stade, je ne peux pas m'empêcher d'engueuler les mecs qui le plaquent. Sa maman, 2015. Pas Talking To Me. Elle a vraiment dit ça dans le Midi Olympique, je veux bien revoir l'article et lui poser des questions. J'étais pas du tout au courant, non. Après, je lis pas beaucoup les journaux, donc. C'est vrai que c'est un peu étonnant. Quand j'ai vu arriver au BO, j'ai flippé pour ma place. Non, pas Talking To Me. Je suis arrivé jeune au BO et du coup, j'ai dû faire ma place petit à petit, donc je pense pas qu'il ait eu peur pour sa place. Non. Le pauvre, à l'école, le temps qu'il écrive son prénom, la maîtresse avait déjà ramassé les dictées. Je m'en suis voulu. Son père, portrait du Midi Olympique 2015. Ça, c'est pas Talking To Me. Noré sera un jour l'entraîneur de mon pays. Ouais. Moi, mais Natran. Le Midi Libre, non, c'est pas Talking To Me, ça. Noré, quand même, c'est pas moi. Forcément. J'ai pas les diplômes pour. You talking to me?